Salutations YouTube. C'est parti pour du Isaac. Très bien. Allons-y. C'est parti pour du Isaac de ses morts avec Samson de ses morts, hein, bien entendu. Je me dis, après tout, si on joue... Si on joue la bête à la con là, c'est bien quand on a plein de cœurs rouges. Est-ce que je prends ça? Et vu que Samson, bah la rage de Samson c'est très fort, plus il se prend des coups, plus c'est ok, ça veut dire que plus on se fera taper par le dernier boss, plus on sera fort. Est-ce que je peux à la limite ne rien prendre? Déjà si je prends les deux je meurs, en sortant de la curse. Si j'en prends pas, j'aurai les God Room, mais je me dis que j'ai un gros starter avec Magic Mushroom, donc on peut partir sur des objets God, peut-être. Guppy, mais faudrait avoir Guppy avant la remontée, c'est chaud quand même. C'est quand même des objets assez nuls. Hein. Prenons quelques risques. Oh, de la force ici. J'ai 8 gold déjà? Brokers of the Maze en tout cas. Ok. Oh, y a moyen d'être très fort très vite là. Ça me parle. T'as fait le boss rush? Ouais. Donc même pas besoin de se presser. Je prends pas le magic... J'ai pas pris le Magic Mushroom illico parce que je me dis que c'est une God Room. Angelic Spoil, c'est quoi? C'est juste les cœurs blancs? Les coffres blancs aussi peut-être? Pour qu'on ait que 1500 parce qu'on a commencé il y a 10 minutes. Ou c'est peut-être la mort de cette chaîne. Ok. Alors. Salut Ita. Ah, ça remplace la clé des anges. Ah, mais c'est chambé ça. Du coup, on va laisser dans la salle de boss le locuste. Pour la remontée éventuelle. Ok, nous avons un plan. Tout se goupille bien. Plus le ducking, ah oui. C'est normal parce qu'on était en vocal cet après-midi. Voilà qui est réglé. Ok. Salut Shell. Ah, très bien. Un joker, lol. Ah ouais. Mais bon, c'est déjà... On l'a déjà eu le devil deal. Vous voulez vraiment qu'on le voit leur devil deal pourri, hein. Ok. J'ai besoin de 15 balles. Ah là là, une bombe dans la machine de don va pas suffire. Oh là là, c'est si close. Ah là là, c'est dommage. Et pas de salle de sacrifice. Feels bad, man. Et pas de cœur bleu non plus pour la suite. Ah mais attendez. Saved.
11,55 de dégâts. Bon, c'est pas si c'est pris des dégâts hein, déjà. Mais les Gurglings vont kiffer, je pense. Gros kiff de la part des Gurglings. Ah, ça c'est pour avoir encore plus de dégâts, hein, bien sûr. Pas du tout parce que je suis une merde. Ok. Excellent également. Des cœurs noirs. C'est d'accord. Merci. Premier étage très correct. Ah ouais, 8,40 de dégâts avant même de s'être fait toucher. Ben, on est plutôt bien. Hein. Build est jouable, quoi. Ah oui, d'accord. Je m'attendais pas à être aussi fort. Je m'attendais pas à le one-shot, en fait. Coup dur. Ah non, c'est parce que j'avais des mouches de mort. Ah, la voilà, la Sacrifice Room. J'aurais préféré l'avoir au premier étage, pour être honnête. Ah oui, alors on a Angelic Spoil, ça veut dire qu'affronter les anges, c'est incroyable. Ok. Ça, c'est nul à chier, par contre. Ok. Pas de rocher marqué toujours à l'horizon. Pas de gros drop de cœur. Ah merde, j'ai pas laissé le trinket précédemment. Bon, faut que je laisse celui-là, faut que je m'en souvienne. J'ai oublié de laisser le trinket à la salle de boss, idiot. Bah, y'en a partout. Mais non, c'était à droite, bon c'est pas grave. On a dit qu'on jouait Angel Room, mais Oh là là, si j'avais pris la couille de Guppy, j'aurais eu deux de Guppy déjà. Des regrets peut-être. Pas droppé d'autres cœurs rouges, c'est triste. Ça a pété là, donc elle est pas là, la secret. Ok. Ensuite, la salle où il y aurait des cœurs, ça serait la super secret plutôt, mais bon. Allons faire ça déjà. Mais non. Ah, rien, au secours. Tant pis. Je peux acheter une bombe au shop pour avoir la curse. C'est un peu désespéré quand même. Hein. Cœur bleu en solde également. Petit Magic Mush, mais j'ai déjà. Je joue à Binding of Isaac. C'est très décent. Une trinquette laissée dans repentance sont utiles, oui, pour ce qu'on verra en fin de run, si tout se passe bien, tout du moins. Bon. One dad's note, oui, c'est l'idée. C'est pour ça qu'on peut prendre le temps de farmer. Là, je suis déçu là. Bon. Pour maintenir arrêté pendant quelques secondes, tout à fait. Pour relâcher sa carte, ses trinkets. Pas ses objets spacebar, cependant. Hélas! Des fois, hein, ça pourrait être utile, comme avec ce glass cannon de mort.
Peut-être des scénarios où on pourrait avoir l'utilité d'un objet avec une seule charge. Ok. Mon personnage préféré ? J'aimais beaucoup par le passé c'était toujours Judas, ensuite Eve, j'aime énormément Eve. Bethany est assez cool. Hein. Dans les nouveaux persos, j'aime beaucoup Bethany. Je trouve qu'on a eu des builds incroyables avec elle. Et j'aimais pas trop Apollyon, mais on a eu des runs extraordinaires avec. Avec Void, c'est fort quand même. Et le TNT d'Apollyon était drôle aussi. Hein. Ah, je fais nimp. Seulement 33% de chance de devil deal. Même pas sûr que ce soit une angel. J'ai la carte Joker, bien sûr. Faudrait que j'augmente ses chances. Il n'y a pas eu de vrai mendiant, hélas. Justice. Oh là là, c'est pauvre. Ah, un fallen, ça c'est plutôt cool. Potentiellement des objets de devil deal, donc. C'est la perfection. Ça l'est moins. Ok, donc en théorie, avec mes Angelic Spoils, au lieu d'avoir des clés, on va avoir un objet. Et je vis ma meilleure vie. Ouf. Ah oui, non, c'est celui-là, il est inoffensif sur les côtés. Trop bien. Ok. Pas de clé parce que j'ai... on le voit pas encore. J'ai ça. Ok. Alors. Combien de chance? 33% encore. Parce que j'ai eu de la chance, c'est vrai. J'ai le Joker. Pas de machine de don du sang. Terrible. Je prends le Petrified Poop, mais faudra pas que j'oublie de le poser à... Enfin, avant de le poser même à la salle du boss, d'aller reprendre avant le boss ma... La plume. Oh la mouche qui pète, attention. Magnifique. Il m'a fait une mouche qui pète. Attention la mouche qui pète. Vas-y. Magnifique. Oh, sympa cette thune. Comme ça gratuitement. Alright. Pas de panique. Beaucoup de tentations, honnêtement, pour être très honnête. Ensuite, un peu chiant de prendre... Je crois que j'ai un Joker, hein. Si jamais par miracle. Il faut que j'arrête de prendre les cœurs bleus s'il y en a. Il y en a un au shop ici. On va peut-être jouer c'est trop fort hein, de jouer la Sacrifice Room avec la plume.
Peut-être. Le problème, c'est que je repartirai avec un cœur bleu sauf si j'en drop. La plume, ça fait quoi? Ah, mais du coup, j'ai intérêt à faire ça avant le boss. Quoique, non, ça va pas changer la nature de ma room, non? Ça peut être un devil deal si c'était censé être un devil deal. Je crois que c'est décidé avant ça. Ah oui, il y a le You Feel Blessed quand même, ouais, c'est vrai que ça change, ça change. Ok. Faisons ça alors. Donc avec la plume, joie et volupté. C'est-à-dire que je peux avoir un God Item sur un drop de chanceux, sur la TP God Room et sur les deux anges. Donc en théo, dans le scénario idéal, je peux avoir 4 God Items, c'est ça hein. Juste faire de la place parce que ça va me saouler. Hein. Ah oui, et puis je vais avoir un dégât aussi. Monstrueux, forcément. Ah oui, You Feel Blessed. Ouais, mais c'est très léger. Hein. Ah, c'est beaucoup moins léger maintenant. Merde, j'avais pas vu. Putain, j'aurais pu en prendre encore un. Je troll. J'ai 20 de dégâts. Ah, mais y a ça aussi. Ah, bah attendez, on va se réserver ça plutôt. HP pour la challenge room. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ça comporte des risques cependant. Bien vu, ok. Même pas besoin du Rainbow Boo, on a ce capula en plus. Merde, je croyais qu'il était mort. Il se bat, man. Nice. On n'a pas eu le Sacred Heart, hein, ni le vol. Mais on va pas se plaindre. Ok. Oui, je peux plus y entrer. Ah si. Une fois que c'est fait, c'est bon. Nice. Bon à savoir. Je paye la TP du coup. Continue, non. Si je continue, c'est la TP The Dark Room et on n'a pas envie d'aller là-bas. Ok.
Allez, espérons. Sinon, j'ai la carte Joker. Mais ça serait une God Room, hein. Ce serait vraiment surprenant que ce soit autrement. Oh là là, holo, le pauvre. Ok. Pire objet, c'est pas grave. Rainbow Poop. Moi, je verrai plus. C'est une façon de voir les choses. Rainbow Poop pour préparer la prochaine Sacrifice Room, bien sûr. Ok. Oui, je peux laisser des trinkets, ouais. J'en ai pas mal, mais j'ai déjà laissé des trinkets dans la boss room normalement, hein. C'est pas nécessaire, mais on va le faire. Comme ça, on pourra faire des salles en plus si on a que ça à foutre de nos vies. Peut-être bien. Il y a aussi le poop, mais on va juste ramener le 404. Le spacebar est un peu nullos. En fait, le spacebar, tant que je laisse appuyer dessus, il baisse. Et quand il arrive à zéro, j'ai un rare moment, voilà. Un très petit moment où je suis invincible. Par contre, si je laisse appuyer encore, je prends du dégât. Alors, l'utilité principale, c'est... Je sais pas si c'est encore le cas, mais c'est pour utiliser des trucs... Ça marcherait pas sur une Sacrifice Room. Parce que le but, c'est de l'utiliser, par exemple, sur... sur une machine de don du sang. Ou sur un mendiant du sang. En vrai, ça a une utilité, hein. C'est juste assez pénible à utiliser. Je suis déjà bien rapide, hein, mais bon, s'ils veulent. Et puis j'ai un sacré look comme ça, quoi. Allez, les deux de speed sont atteints. Toujours plus. Ah, c'est confort, hein. On est dans le confort. Des cœurs, ça peut être utile si on trouve une Sacrifice Room, come on. Je sais pas si on peut en avoir deux étages de suite, si totalement. Hein. Il semble que c'est déjà arrivé moult fois. Non, c'est pas la Everything Jar, non. Parce que ça c'est un nouvel objet, donc faudrait que je le prenne pour la collection. Ça c'est cool, ce que j'ai pris c'est des familles forts. Ah bah tiens, attends, on va tester. Ça marche pas? Faut que je laisse appuyer pour voir le moment. Ou non, contre lui ça marchera pas, c'est une carotte qui ne fonctionnera pas. Si, ok. Si, si. Faut laisser appuyer. Faut laisser appuyer en fait, c'est ça le risque. Et relâcher avant qu'on se prenne le dégât. Mais par contre on doit réattendre. Que ça se re-remplisse en intégralité avant de pouvoir le réutiliser. On se fait chier, mais... C'est opti.
Vous n'êtes pas otage de ce stream, hein. Merci Cementi pour le Prime. Yagiza24, Mamene BC, Zek07, Ben7875, merci pour les Primes. N'hésitez pas. Hein. C'est gratuit si vous payez. Hein. Comment refuser? Merci pour les subs Enak, Freakers pour les 3 siècles. Nono Wasabi, Psycho. Il fait durer le plaisir, il fait durer le plaisir, il a bien raison. Top petit hein. Ainsi qu'au coin 24 pour le resub, Mirdark 54. Zeldinch, merci pour les 18 ans. Et bravo pour ton courage de porter le pseudo de Zel de FF8. Merci Fabil Zep. Merci Benzal de Hate 106. Merci Babatopi pour le Prime. Et Natsirt. Tout ça pour qu'il lâche un curse time, mais bien sûr. Merci Bato Batopi pour le Prime. Merci Mstar for the win pour le resub. C'est le compteur du sub train en fait, cette relique. Ah, le subtrain est retombé à zéro. Coup dur. Ah, merci Fudgiano pour le prime. Merci Rervel pour le sub. Ah, le subtrain est à 2. À 3, merci Vidrox. Quelle arme. Je vois que vous aimez le contenu. Merci Vidrox pour le sub. Ah, merci Catastrophe. Ah, c'est bon. Oh, et attendez. C'était pas worse? Speed dégâts. Notre deuxième pilule sur 3. Franchement, on a passé un bon moment. Je le considère comme un des meilleurs moments de ce stream. Je l'encadrerai. J'en ferai une vidéo que j'encadrerai. Et je minterai le NFT. Pour 500 000 euros. Enfin, vous minterez. Ok. Très bien. Ah, attendez, vous êtes prêts? Mais là, parce que là, ça y est, maintenant, le stream est e-sportif, hein. Est-ce que c'est pas la définition du bonheur, ce qui est en train de se passer? Merci Nagafabad pour le Prime, Cizares. Merci Senegitsu pour les 2 ans back à passe pour le siècle. Niden Lader, The Dead Pegasus, merci. C'est vrai que dans ces moments-là, on pourrait faire ce que j'ai fait pour le clip sur Twitter de Mario Kart. C'est-à-dire accélérer ce moment-là. C'est très simple, hein. Il suffit de couper toute une section sous première et de mettre vitesse x4, x8 sur le tronçon, quoi. Le train de la hype approche. Merci d'apprécier le contenu. Le scam train étant. Je vois que le contenu vous hype. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci MV Forever, Béotien, Innocientus, Domakin pour les resubs. Incroyable. Merci Morty Morty, The Kirox pour les primes. Merci beaucoup. Merci Deltarion pour le resub. Deltarion. 30 ans. C'est bon. Ah. The Hanged Man. Peut-être la sensation de certains viewers en ce moment. Ok.
Ainsi ta water au minéral, strike 62700 pour le prime, Kaidan, super Sarah Vray. Merci Nico Churit qui offre un sub, Vulven TV qui offre 5 subs, Liux, Jerefist, Nantur, Ntitania, merci pour les subs. Ainsi Yolax 3, I'm the Kiki, Tanoa pour le prime. Ah voilà, je vois que le contenu vous émerveille. Vous avez les cartes bleues en l'air. Je comprends. Merci Hachiko Shades pour, qui offre un sub. Merci Bloody Wise qui offre 5 subs. Merci beaucoup. Merci Achernard pour les 500 bitcoins. Guillaume Das pour les 1060 bitcoins. Merci Balout 80, Kratos 1505, U-Touch, Ren Titania. Merci encore pour les resubs. Le sub train est en marche. Hein. Merci Kalan pour le sub. Tiens. Putain, c'est vraiment une chaîne très spéciale. Hein. C'est dans les moments les plus chiants que le scam train est inarrêtable. Merci Shadow 35.5 sub offert. Conarman pour les 500 bitcoins. Bowl of Poil pour les 400 bitcoins. On se délecte. Hein. Merci Snitix pour le prime. Kalan encore, merci. Merci pour les sub. Pauvre Schmock. Et Cervelet pour les 50 ans. Lane is taken, Hi-Fi Wi-Fi. Merci Buchette qui offre 5 subs. Qu'est-ce qui se passe? Merci Ploche pour le sub tier 2, Monsieur Pumba pour le prime. Merci Matt Pitt pour le sub. Permet de remercier les subs, hein, c'est important. On a besoin de ces temps morts. Merci Pride. Et Ballon. Baron Ululating qui offre 5 subs respectivement, merci énormément. Je suis sûr que j'en loupe là, tellement ça va vite. Ah! Le Empty Vessel, alors on n'a pas vraiment besoin, mais... Merci Arael Guild pour les 5 subs offerts. Merci Pieta Del Luna pour les 400 bitcoins. Ploche pour les 5 subs offerts. Merci énormément. Merci Krillnet, Rushiru60, Ziapist, Mystery Prod, Matpit pour les subs. Hilary Subs, Dingop, Nyctaz, Canapé, Galokan, Zeloclock et d'autres. Incroyable, qui l'eût cru que ça serait sur ce segment qu'on aurait le scam train le plus fou. Merci Jinjem Brownie qui offre un subs. Link Ice, Almas 91, merci pour les subs. Allez, vous avez eu ça? C'était vraiment incroyable. Vivement la Sacrifice Room. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai la technique. Et bah vous savez quoi? Je parlerai plus jamais mal de cet objet. Il nous a aidé à optimiser cette partie, cet étage, et il nous a rendu riches. Merci Yei94, Mr. Takoyaki, Herval Thorn. Merci beaucoup, merci Arcanid qui offre des subs également. Il a opti les subs, merci Blectre qui offre un sub également. Gros opti des subs hein, avec cet objet, à retenir. Bon, j'ai bien noté, j'ai commencé à noter vos idées d'emotes, s'il y en a des très bonnes. Je pense que je vais voir, peut-être avec Banana, mais j'ai vu qu'elle avait les commandes pleines. Mais en tout cas, ouais, Soon TM, on va rajouter de l'emotes en mars. Une vingtaine d'emotes, je pense. Ok, pas de Sacrifice Room, hélas, mais sacré étage, hein, bien optimisé. Quelle aventure. Si on a la God Room, c'est pas mal. Hein. Est-ce que je prends ça? J'ai très peu de bombes. Hein. Et hop, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe des dingueries, là, j'ai l'impression. Merci Zaykas pour le prime, merci Ernito, JSP, Pixel Carotte. Ah, Pixel Carotte, incroyable. Pixel Carotte, gros rôle dans Game of Thrones. Yay 94, merci beaucoup. Merci Supernam pour les 500 bitcoins, Amsterdam 84 qui offre 3 subs, Oufer qui offre 2 subs, merci, merci, merci. Le train de live, niveau 530%, merci Pif du 61. Vraiment, YouTube doit passer un moment extraordinaire. Excuse-nous YouTube.
La couronne, c'est insane. À gauche, je l'ai pris, non, récemment. Je vous demande pas de me dire ce que c'est, mais est-ce que je l'ai pris dans un run? Il me semble que oui. Hein. Merci Dooms92 pour le Prime. Merci pour vos resubs. Ernito, Pridae. Merci encore. C'est JSPL d'ailleurs. Ok. En tout cas, la couronne, c'est vraiment le plaisir. Je vole toujours pas par contre. La couronne, voilà. 28 de dégâts. Sans la rage de Samson. On va dire que c'est raisonnable quoi. Oui oui, on veut des cœurs éternels. Est-ce que j'ai pas envie de faire un full build cœur rouge et de garder ça? Même si on adore cet objet. Le problème c'est que cet objet maintenant, on l'adore. Bravo pour ce scap train incroyable. 144% niveau 5, du rarement vu. Merci Waco420, Dirty Marsouin. Pour les primes chaussures 12. Pour le resub, merci. Merci Fouinux qui offre un sub. Ensuite, l'avantage de la relique card, c'est que... on peut se faire un build full cœur rouge, quoi. Ah bah oui, c'est même sûr, parce qu'on va voir la remontée. En réalité, je dois jouer ça, je pense. Mais ça me fait mal au cœur. Hein. Merci MD Capolux pour le prime. Merci J59. Je sens que j'ai un peu trahi l'objet là. Évidemment, c'est dans l'optique de perdre nos cœurs rouges. Hein. Tout est prévu. C'est un stream de pro. Hein. Vu. Ah. Ouais, mais en même temps... Ah si, si c'est un small rock. Ah, vous avez vu le crâne marqué. Oui, il est là. Ok. Bien vu, bien vu. Bravo à vous. Oh zut. Oh, oh. Oh, c'est con. Oh non, regardez. Si j'avais gardé l'objet. Si j'avais gardé l'objet, on avait une machine de don du sang et un mendiant du sang. Quel dommage. Ok. Ah là, c'est coup dur, là. Hein. En même temps, le scam train ne peut pas repartir avant 2 heures. Et on sait maintenant que c'est l'objet du scam train, quoi. Oh, il y a une sacrifice room. Oh là là, oh, hold me, hold me. Hold me. Alors si on veut faire ça bien, cependant, faut faire mum d'abord. Pourquoi? Parce qu'on a une petite chance d'avoir une room. Ah oui, mais je serais blessed. Je vais être blessed. Oui, je sais que je dois prendre the full. Attendez, on doit réfléchir. À l'opti. Faudrait aussi que je valide mon cœur là. Ok, ok, il y a moyen de faire ça bien. Ma stat de dégâts sera sympa à mon avis à la fin de la Sacrifice Room. Surtout quand on ressortira et que la couronne se réactivera. Ah oui, mais le problème pour la couronne, il faut que j'ai... Ah, ça vous savez que j'adore. J'adore ce passage. C'est mon mendiant préféré lui. Faut que je fasse gaffe à pas aller trop à droite, sinon le bloc me baise.
déjà fait l'expérience. Il avance pas ce con. Oh, c'était lamentable. C'est... OK. Franchement, la plume, c'est quand même bien. Good guy la plume. Par contre, dommage qu'on n'avait pas notre autre objet pour le mendiant du sang, quoi. Toujours pas le vol, c'est vrai ça par contre. Ok. Là, j'ai 22 de dégâts alors que j'ai pas mes cœurs rouges. Je serai à 42 dégâts si... Voilà, là, je pourrais tuer les gens avec mon argent. Ce serait extrêmement fort, hein. Mais... Remplir... Il reste un shop, en plus. Ouais. C'est la touche sur l'étage, je crois. Non, non, non. Il, c'est, ça se reset à chaque pièce. Le problème, c'est qu'il faut que je sois full cœur rouge pour qu'elle soit active. Donc ça va être compliqué. En fait, la crown, je vais la perdre même dans le boss fight, le dernier boss fight, je la perdrai très vite. Mais ça sera compensé par la rage de Samson. Alors que là, si j'avais mon autre objet là, comment on serait fait plaisir là. Merci Super Nain pour 500 bitcoins, merci désolé pour 400 bitcoins. Découvrir Isaac, avoir un super build d'utiliser la bip face à Satan pour voir ce que ça fait. Aïe 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 oui. Ça fait partie de la découverte. Hein. Merci Thorax pour le Prime Absolet, merci Mozanbe, Pingwix, Tenkas pour le siècle, Caillou Croissant, Iliou. Ok, c'est comme prévu, c'est nul à chier. Ok. Bon, je vais pas prendre Magic Fingers, je pense. Une grosse interrogation sur la secret room là du coup. J'ai que deux bombes, c'est un peu chiant. Ça serait fort hein, Magic Fingers. Ensuite j'ai peut-être assez de cœur rouge et je peux espérer trouver des bleus pour me mettre bien. Hein. Moi, j'ai envie de prendre Magic Fingers pour les memes.
En vrai, ça peut être fou. Putain, j'ai eu plus 5 bombes avec l'homing bombs et j'ai jamais redrop de bombes en fait. Insane hein. Allez Angel Room, let's go. Mais j'ai plus de bombes du coup pour ma Angel Room. Oh, j'ai trollé à mort. J'aurais pu me farcir un ange. Oh, j'ai oublié ce détail. Bon, bah on l'a pas. Perdu le buff de ma couronne, oui oui mais vous inquiétez pas. On va en dropper des cœurs rouges. Et on va retrouver une sacrifice room. C'est cool. Aïe. On y est presque. On passe à 27 de dégâts, tout va mieux. C'est vrai que voler à un moment ce serait cool hein. Ah, c'est marrant, c'est pas spectral mais ça passe quand même un peu à travers les murs. Qu'est-ce que j'ai fait? La merde. J'ai marqué mais j'ai pas de bombe. J'aurais pu essayer Magic Fingers pour rigoler. 66 balles. Donc voilà, par exemple, là, typiquement, ah, je vais essayer. Attendez. Bon, d'accord, on veut pas que j'essaye. Est-ce que je peux avoir une transfo Je pense pas. Ouais parce que là je suis sur Conjoin, je suis sur Je suis sur Seraphim, je suis sur plein de trucs. Pas grave. Oui attendez, je voulais essayer Magic Fingers. J'aimerais bien voler quand même hein. Ensuite on s'en fout, c'est la remontée. En vrai c'est pas capital que je vole. Ah oui merde, alors attendez, hop, j'arrive, hop, 1, 2. De gold. Pas mal quand même. Oh le rêve, je pense que oui, oui, je pense que c'est worth de l'avoir pris. Je rebourre ma machine de don. Je rebourre ma machine de don parce que je suis convaincu que je vais faire du pognon. C'est courageux, hein. Ok. Parce que là j'avais le pognon pour tout se mâcher. On va dire que c'est du bonus, c'est du luxe, j'en ai pas vraiment besoin quoi. Je suis une merde. Pourquoi le bébé diable il tire dans les dans 4 directions, c'est tout. Un petit familier.
Ah, j'espérais le HP up. Small Rock. Oh, il y en avait un autre d'ailleurs. Oh, la secret est sûrement là. Dommage. Ok. Une dernière... De quoi? Ah, il y avait encore un rocher marqué hein, dans la salle en L. Ah bah je suis une merde. My bad. Oui, exact. Dommage. Très bien. Moi je pense que ça devrait le faire quand même. Hein. Ok. Merci Crimson K pour le Prime. Merci pour les resubs and nudes, autotism, day hind, lancacide. 22 gold. Je claque. Hop. Vous savez quoi, cette gold, c'est insane avec mon Magic Fingers. Ok. On s'en fout de ça. Oh, non, il y a de l'argent. Mais je vole pas. Putain, je vole toujours pas. C'est quand même une dinguerie ça. Mais j'ai une carte Strength pour la fin. Bon, de toute façon, c'est free. Hein. Je vais être très honnête. C'est un peu free. Dès que je vois une salle chiante, je claque. En fait, j'ai pas besoin de full clear, mais je vais prendre l'argent. Je pense que c'est tellement fou. Si on peut terminer aussi nos cœurs. Juste un cœur bleu. Ah, j'ai pas de bombe. Oh, dommage. Incroyable Sanson en tout cas. Hein. Le Sanson des Sacrifice Room, il nous aura fait plaisir. Non, je le veux. C'est trop cruel. Ok. Non. Jamais. C'est vrai qu'on n'a pas retrouvé la salle de la lune encore. Hein. J'ai le seum. Hein. Putain, mais la dernière fois, quand on la trouve et derrière, je rentre pas dans le halo et j'oublie que la salle de boss m'enferme. C'était tellement triste. Feels bad man. Mais de toute façon, oui, je vais prendre la clé, c'est vrai. Dommage pour Strength. Alors, j'aurais pu claquer mon pognon. Ah non, du coup, c'est un drame là, par exemple. J'ai plus de cœur bleu pour protéger mes cœurs rouges. Bientôt la fin de mon. De ma couronne. Voilà. De ma couronne. J'ai pas trop envie de piffer une pilule pour l'éventuel Balls of Steel. Ok, challenge accepted, je vois rien.
Ok. Putain, c'était une salle inutile en plus, j'ai pas le seum du tout. Incroyable. Bah, problème c'est que j'ai pas de mouche. Y'a strictement rien qui m'intéresse là-dedans. Mais c'est une bonne info. On peut trouver des shops fous dans les Red Rooms. Celle des cavaliers, ah oui, Hive Mind pour ça. Cloth. Blood Cloth, bah je tire pas des larmes selon moi, et en plus j'ai un œil bouché. Et ça se trouve c'est le mauvais. J'ai un œil bouché avec la graffeuse. Il y a deux... Ah mais ils étaient là les Lucky Coins, je les cherchais de l'œil, j'ai rien vu. Ah, ils sont... ok. Oui, bien sûr, vous avez... Merde. Oui, je suis... normalement, ils sont pas bloqués. Bloqués. Nice. Incroyable, en tout cas. Bon, attention, maintenant, faut plus utiliser par erreur... la crack key. C'est ma dernière. Oh là, oh, oh l'affreux. TPS est là. Très grave ça. Sérieux quoi, mon cœur bleu. Acheter Hive Mind du coup. Brainworm. Ah oui, Brainworm, c'est ce qui... il était bien, Brainworm. Il se tournait vers l'ennemi, ça faisait faire des angles débiles à mes trucs, mais ça se tournait... Là, il fait rien. Mais si un ennemi il allait dessus, il faisait le virage. Pif la carte pour Hierophant s'il y en avait une. J'ai besoin de mon argent aussi. Ah, il y en a deux.
J'ai peur de ce que ferait The Moon vu qu'il n'y a pas de secrète. Que ça se tente. Ensuite, si je perds ma cracked key, je suis au fond de mon slip. Hein. Ouais, c'est une TP au pif. NP. J'ai plus que 24 balles alors que je m'étais fait masse pognon. Pas grave, ça se tentait. L'ambiance est incroyable. Petit cœur bleu là, hein. Au KLM. Ok, c'est pas grave. Très bien. Oh. Mmh. Et bah pas mal, pas mal, pas mal. Je regardais des choses très peu intéressantes. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Magnifique, un coin. Allez, allons débloquer Tainted Sanson. Oh, sacré look. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bat avec des colonnes. Oh. Un des meilleurs objets de môme qu'on pouvait avoir, ça. Le combat est dur à lire hein, du coup, mais on va faire ce qu'on peut. Oh, le DPS. Et ça c'est parce que j'ai la couronne hein, que c'est fou. Oh non, et c'est fini pour le DPS de la couronne. J'ai perdu genre 10 de DPS là. Pas de soucis. Si c'est vraiment la panique, j'ai mon tour. J'ai mes 42 charges de grippin.
Ah, par contre, c'est incroyable pour gérer les ads, le brainworm. Hein. C'est juste incroyable en vrai. Ah oui, déjà. Oh, Little Hand qui l'a tabassé. Oh là là, il est slow down. Oh, ça se passe très mal. Est-ce qu'il aura eu le temps de rien faire? Incroyable. Alors que j'ai plus la couronne. Aïe, quel con. Attention, j'ai spammé 42 fois. Je prends le dégât exprès pour faire plus mal. Ouais, j'aurais dû me faire exprès de me tabasser avant de lui mettre les 42 dégâts. Ça se trouve, on l'aurait terminé avant même la phase des flammes. Incroyable. Pi. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping, and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night. And the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights, and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so, Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. Quelle ambiance? Ok. Empty Heart, nouvel objet. Et donc, Samson, Undying Rage, Berserk en utilisable, en deuxième utilisable. À voir. Incroyable. Très bien. On avance. Quoi qu'on a fait que ça, donc c'est un secret, c'est ça.
Je mets à jour le titre du stream. À 2 secrets. 268 sur 637. Quel plan cul d'avoir recommencé une sauvegarde. Et bisous YouTube.